me mettre dans le rouge aussi et de trouver des endroits complètement inédits, ou bien profonds, ou même des fois dans 1 mètre d'eau ou 30 mètres d'eau. Voilà. Donc la découverte s'est passée comme ça. Et c'est vrai que cette histoire, quand je suis arrivé là-dedans, mon bureau c'était les calanques, en gros, d'accord, et du calcaire. Et quand je suis arrivé dans cette grotte, le truc qui m'a fasciné, c'est l'arrivée en plongée. Déjà de passer dans les stalactites qui sont représentées en bas hors de l'eau. Voilà, avant de sortir de l'eau, ça fait 5-6 mètres de profondeur et tu as ces grands piliers de partout et on passe à l'intérieur avant d'arriver sur la plage. Et la première chose que tu fais, c'est éclairer dans cet endroit-là qui est vraiment sous l'eau, on dirait un temple grec, tellement c'est beau et l'eau est cristalline. Et hop, là j'ai éclairé, j'ai vu toute la palette de couleurs à l'intérieur, un jardin minéral.